Et nouvelle journée, nouveau vlog. Donc c'est 14h, René elle a préparé à manger. Comme d'hab, merci René. Et c'est un peu tard parce qu'on a bossé ce matin en été. Sur les montages et notamment paintball, c'était un peu long. Et là, petite surprise, Pascal en attendant, il s'est endormi. Et alors, on fait dodo. Oh putain, quelle vivacité du matin comme ça. Ouais, Ça va? on fait dodo. Ouais, je suis mort. Ouais, je vois ça. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait des folies de ton corps cette nuit? Ouais, j'ai fait folie, j'ai couru, j'ai fait des pompes, j'ai fait des abdos. Allez, on mange gros. Ouais, bien sûr, des pompes, des abdos, des Ouais, tractions aussi. vas-y. Et Milan, le fragile. Hey, Small nature. what's Milan, la up? Which I fragile. don't still don't know what it is. C'est de la morue. Et donc pour ce midi, j'ai préparé, enfin René a préparé salade de concombre, banane plantain et de la morue. Bon app. Il manque juste Pascal qui dort encore. Voilà, comme je vous ai dit ce matin, on a bossé, après on a mangé, on pensait aller à la plage cet après-midi. Sauf que voilà, il pleut, un temps de merde, il fait que pleuvoir depuis 2 heures. Donc bien sûr, vous pouvez vous réjouir. Voilà, on est un peu déçus. Et bon, tant pis, on en profite pour bien bosser. Après, on va aller à la salle et comme ça, demain, nouvelle journée en espérant qu'il y ait un temps de ouf pour le jet ski. Bon, faut faire un débrief là sur ce qui s'est passé. Bref, en gros, vous savez que Jacopo, il tient plus à son téléphone qu'au reste du monde. Et il avait le téléphone à la main. J'ai voulu faire le con, lui taper sur le bras. Le téléphone est tombé. Fais-le, mais refais tout, refais tout. Bloqué comme ça. Voilà, entre le pied et le sac. Magnifique. C'est pas magnifique ça? Merci. Congratulations. Thank you. Thank you very much. Non, vraiment, j'avoue, super réflexe. Tu reviens, refais, on refait toute Non, la scène. c'est pas. Sûr, mais gros, t'as vu le réflexe? Bonne la prime. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chourave, mon armoire. On Ouais. avait dit, c'est fini entre nous. C'est fini. Il y a eu séparation. Pas légalement. Jacopo, t'as ta chambre maintenant. C'est pas légalement. C'est des boxers, c'est pas les slips. Ah, c'est pas les slips. Ah, donc si c'est pas les slips, tu peux. Ouais. Devred. Ouais, pas de pub, gros, pas de placement. T'as un code promo pour Devred? Jacouille. Ok, donc on attend Pascal comme d'hab, on va aller à la salle et avant, petit jeu débile. Vas-y, c'est toi. Tu sais, j'attends le moment préféré. Oh, quelle vivacité. Par contre, Alex, faut travailler un peu, hein. Aïe! C'est Alex? Il a touché à peine le pouce. Je suis pas un tricheur. Et le tonton à Pascal, qui nous a sauvé la vie, qui est venu nous chercher à l'aéroport. En forme? Ça va? Allez, ah, ça fait du vide là, non? Et va bon, et va bon. Ok, changement, c'est Alex dessous. C'était bizarre ça comme phrase. C'est pas assez fort ça. Ah, voilà, je veux que ça claque. Il commence à Pourquoi? Il y a des bon. règles. Il y a des règles. Ben oui. Non, il n'y a pas de règles. Elle était sale, elle. Il n'y a pas de règles. Allez, pousse ta main, arrête de pleurer. Mais arbitre. Il n'y a rien. Ah, venge-toi, venge-toi. Fais claquer un peu. Non, c'est toi dessous, Jacopo. Fais claquer, fais claquer, fais claquer. Fais claquer. Il me met des coups pour pas que je puisse taper quand il s'enlève. Oh, aïe, 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 aïe. Attends, non, c'est pas les règles, ça. Non, mais c'est pas bon, ça. C'est les règles françaises, gros, c'est pas les mêmes qu'ils italiens. Franchement, c'est pire qu'en Italie. Ah, ça y est, Pascal est prêt. Ouais, ça va, je suis prêt, ouais. Oh, regarde la main, gros. Il attend pas. Y'a rien, c'est à peine rouge. C'est bon, est-ce que c'est bon? Est-ce que je peux taper? Tu me dis. Ouais. Tu me dis quand? Non, mais tu me dis quand t'es prêt. Est-ce que tu es prêt? Là, est-ce que t'étais prêt là? Là, là. Il a voulu le frapper. Tu veux le frapper? On change là, regarde. Comment on change? C'est Faut que tu gagnes. Faut que tu gagnes. J'ai eu le bout des doigts. Tu sais que je l'ai eu. Hey, alors. Ça, il avait les 8 heures modestes. Je vais tout donner. Putain, je laisse la même pas. Porter là!
Il fléchit les jambes et tout. Jusqu'à ce que ça tape fort. C'est bon, on a... Il a dit, hey, tu m'as fait mal là. Hein. C'est bon. C'était nul. Juste, j'ai dit que la main est rouge parce que ça, ça reflète la lumière. Donc, c'est pour ça que c'est rouge. Alors, c'est dur la voiture. On se réveille. Quoi? Did you sleep? No. On est parti à la salle avec séance pool pour nous. Avec Jacopo, Pascal Zer, deux biceps. Milan, il fait les jambes. Et Alex, il fait quoi, Alex? Alex, il fait rien, Alex. Alex, il fait rien. Attends, attends, je peux l'assurer moi. Vas-y, assure Jacopo. Assure. Pose la piche. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être le casse d'Ala Jacopo ça. Retour au resto d'il y a deux jours, si vous avez vu le vlog. Et on attend un peu la bouffe. Mais vous avez vu, ça mange pour ça, boit propre en attendant. Un peu de Coca Zéro, mais c'est pour Milan. Sinon de l'eau. Et Jacopo la frisouille. Ouh, ça frisouille tout ça. Oui. Adieu Pascal. Il fait que tousser le mec. Mais skin Pascal, je crois qu'il a le quinfus. Oh, oh le mec depuis le début du repas. En fait il est né malade ce mec. Depuis le début du repas il tousse. Oh, oh, oh. Quoi, t'as avalé de travers ou... C'est la clim. Est-ce que tu peux ravaler le foie que t'as craché là? C'est la clim. J'ai rien craché du tout. La clim est d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que c'est la clim? T'aimes bien ça? Ouais. Allez go. Et réveil matinal, on s'est levé un peu tôt car on va aller au jet ski ce matin. Sauf qu'il y a un peu trop de vent encore. Donc du coup c'est reporté, on fera ça demain matin. Vous aurez bien sûr une vidéo sur le jet ski. Et du coup aujourd'hui ça va être journée normale. Et cet après une petite plage au calme. Et ça travaille, meilleure tête, mieux réveillée. Et on va aller à la salle, enfin pas tout le monde qui travaille. Il y en a, ils sont tranquilles. Et on va aller à la salle. Enfin il fait beau, il n'y a plus de vent. Et derrière la plage. Hein Jaco, qu'est-ce que tu fais avec ton appareil? Moi je vais faire les photos de l'appart. Parce que cet appart, ça va être mis en location. Voilà, il est dispo sur Airbnb, vous avez le lien dans la description, vous pouvez le louer. C'est au top, vous avez vu, vous pouvez dormir jusqu'à 10 personnes. Plus. On a tous un lit chacun, c'est au top. Ah, Pascal Ouz. Oui, oui, oui. Et c'est l'heure d'aller à la salle juste avant d'aller à la plage. Moi aussi, je vais. Ça va les gars? C'est bon? Qui est? Il est content. Là, c'est vachement agréable derrière parce qu'on est trois collés avec un Slovaque qui transpire sa race. C'est pas vrai, ils sont bons. Je souhaite que match. Ah, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est bon. Faut que je revienne sur un truc. Le jour il a pris, on était au McDo, il a pris un McFlurry au McDo. Et ici à McFlurry, brownie. Franchement il était pas très bon. Et en fait la patronne elle nous a entendu le dire en partant du McDo. Mais elle est venue nous voir, oui qu'est-ce que vous avez pensé du McFlurry, brownie, etc, etc. Et elle lui demande c'est quoi votre préféré. Donc lui il dit moi je préfère Odin. Et là en toute fragilité elle lui dit pourquoi Odin? Je sais pas, en même temps il y a un petit goût salé, un petit goût sucré qui se mélange dans la bouche, c'est plutôt bien. Et elle lui dit mais ça vous gêne pas le caramel qui colle aux dents? Non non parce que et au oui. Final on choisit soit de le croquer, soit de le sucer. C'est ça, c'est effectivement ça. Il faut savoir commenter le goût qu'on a et sur les papilles gustatives, il faut, tu vois. C'est ça. Voilà. Top chef du McFlurry. Je vais expliquer, alors vu que normalement il se moque. Tous de mon accent français. Là, je vais parler et on rigole. Et moi, je vais rigoler et je vais faire l'accent italien d'Alex quand on va en Italie, à Naples, où il y a sa famille. Alessandro parle un po' così, un po' lentamente. Siamo andati a prendere un buonissimo gelato a Sorrento e poi a Praiano a Mare. Tout le trajet à partir de maintenant, Pascal, tu dois conduire sans faire tomber la bouteille. Allez, Pascal, serre. Ah non, je joue le jeu, frère. Fais moins. Il sait pas encore parler. Regarde. Ça, c'est la chanson des PJ, vous devez savoir. Il la met tous les temps, les jeudis soirs, avant de sortir. Je kiffe, c'est le clip. Ah, c'est vrai. C'est un bon régal. Il kiffe les clips. Et toi, Pascal, tu le kiffes ou pas le kiffes? Ouais, je le kiffe. Je kiffe tout le monde. Je kiffe. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es un peu plus fatigué que d'habitude? Ouais, je suis mort. Honnêtement, je suis mort. Parce que ça fait les jambes. C'est ça. D'accord. J'ai les jambes, mais quand je fais des jambes, mais normalement, je vais dormir directement. Et là, non, on va à la plage. Et là, justement,
par rapport aux jambes, je fais une grosse grosse dédicace à mon petit Sylvain. À mon petit Sylvain B, parce que lui quand il fait les jambes, il est vraiment en galère, mon petit Sylvain. Bise. Dédicace à notre Sylvain aussi. Manovic. Dédicace aussi au Sylvain Manovic. Et moi je voulais dédicacer à toute ma famille. Vraiment, ça me fait plaisir. Ouais, 7-5, dédicace à tout 38. Dédicace à. 6-9, Lyon, bénissime. Dédicace à ma maîtresse de CP aussi. Mireille, dédicace à Mireille. Bordel, t'étais où au CV? Dédicace à toute la 6ème 4, à la 5ème 3, à la 4ème 2 et à la 3ème 1. Voilà, c'est à bizarre. La G, à la première ES 1, dédicace à tous les habitants de la Campanie en Italie, dédicace à Girola, dédicace à Malfi, toute la Costi à la Malfitana, dédicace aux Algériens, dédicace à Constantine, dédicace à ma mère, dédicace à mon père, dédicace à mes petites sœurs, dédicace à mes grands-mères. Je voulais dédicacer vraiment à tous ceux qui me soutiennent. Je voulais dédicacer à vous qui regardez la vidéo, ceux qui like, ceux qui like pas. Je vois que son t-shirt c'est bizarre. Pourquoi? On dirait qu'il y a des trous. Chez moi il n'y a pas de mid hein, pourtant. Mais on dirait qu'il y a des trous ou des trucs comme ça, c'est normal ou pas? Ah, moi j'ai kiffé quand il marche. Ah oui, il a une démarche, oui. C'est arrivé gros, j'ai mis 1h30, mais le soleil va partir, parce que ça va être nickel. Le mec, tu vois grave. Comme jamais, ça fait comme jamais. Loulou et Boutin, Loulou et Boutin. Coco la Chanel, putain. Coco la Chanel. Si, si c'est mon. Moi. Ici, I can speak French. Et ce soir, ce sera bon repas de René encore une fois. Et en attendant, Alex, il monte le peucli qui Himalaya. Sortira demain. Ouais, voilà. Demain, 13h03, j'envoie Himalaya. Vous avez faim, les gars? Are you hungry? Not really. Non. Ok, bon, tant pis. Pour ce soir, donc René nous a fait du Christophile. Christophile. Ah, mais moi, c'est pas le même que je parlais, mais bref. Ah, c'est bon. Et avec du poulet. Donc, en fait, pour la petite histoire, normalement, ça se fait avec du poulet en sauce ou de la viande en sauce, c'est ça, René? Oui. Mais on l'a prévu au dernier moment, donc ce soir, on fait système D. Voilà. Pétez pas trop la forme, les mecs. Merci, calmez-vous un peu, il y a trop d'ambiance. Merci. Et donc, la Christophine, c'est ça. Et c'est un fruit qui est plein d'eau. Et voilà. C'est tout, Pascal? T'as autre chose à dire? Non, c'est tout. Tu as bien résumé. Je t'ai bien présenté. Super, je suis en hypoglycémie, je suis pas bien. Tiens, tu fais de moi. Et voilà. Ok. C'est quoi? Je vais bien te laisser. Vas-y, essaie de te démerder maintenant pour faire rire. Je vais verser de l'eau. Tu t'en sors bien. Ce soir, on mange les Christophine. Oui, Pascal, on te laisse ton riz au lait. Il a fait un tour, tu sais qui veut du relais? Personne veut du relais, vous êtes sûr les gars? Vous êtes non, sûr? Qui ne veut okay. pas du relais? T'inquiète pas, on te le laisse. Ok, merci les gars, pas de soucis. Et faut avouer que Jacopo il l'a mangé. Mais lui, pendant le repas. Je savais pas que c'était super. C'est pas un vrai encore. Il a l'accent martiniquais, ça y est, mais c'est pas un vrai encore. Je vois que vous dérombez les plats.